On se détend, d'accord, on pense qu'à l'eau. Non, mes parents, ils n'étaient pas du tout sourciers. J'ai rencontré une personne il y a plus de 10 ans en Alsace et qui m'a ouvert ce chemin, on va dire ça comme ça. À travers les cartes géologiques, donc déjà pour avoir une idée précise de la géologie du sol, et puis au niveau des cartes hygiène, hein, pour avoir une idée de l'altitude, tout ça. Et puis après, suite à mon ressenti, quoi. Détendez-vous, vous êtes stressé. Voilà. Ça vous étonne? Alors, on recule un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Donc on se détend. On lâche prise. D'accord? Ouais. Donc on pense qu'à l'eau. Uniquement qu'à l'eau. Elle part. C'est flagrant. Il faut descendre de plus en plus profond. Mais le but, c'est pas non plus d'aller chercher de l'eau à 2 km. Oui, voilà. Parce qu'après, il faut faire des tranchées. S'il y a un forage qui doit se faire, qui dit forage, pomper énergie électrique pour la pompe immergée, il faut faire des tranchées. Donc le but, c'est aussi de réduire les coûts. Alors pour des raisons juridiques, je ne me prononce jamais sur la qualité de l'eau. Je donne toujours le débit et la profondeur sur le terrain où j'opère. Après, ce qui se passe. Imaginons que je suis dans un lotissement et puis. Régulièrement, j'entends mon voisin, il y a de l'eau. Je dis toujours aux personnes concernées, vous avez trois cas de figure. Soit vous avez de l'eau sur votre terrain qui est beaucoup plus profonde que votre voisin, soit elle est moins profonde, ou alors il y a absence d'eau. Les deux mains ouvertes vers le ciel, on ne bouge plus les mains. Hop. Voilà. Voilà. Au niveau du nombril. Voilà. Oui, parce qu'on a tendance à le lâcher, on croit que c'est ça. Vous les tenez pas bien, monsieur, les baguettes? Non, elles sont pas bien tenues. Elles vont jamais bouger comme ça. Voilà, tu vois. Donc la baguette s'est descendue dans l'axe en fait entre les deux rangées de jalons, tu vois. Tout le monde fait de sourcils, bien sûr. C'est pas une histoire de nom, c'est juste une histoire de sensibilité qu'il faut sourire, puis. Il faut se libérer, quoi, la libérer, cette sensibilité, voilà.